أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك العبد واياك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المقصود عليهم ولا الضالين J'évoquais la bataille de Houd. Je présente des détails supplémentaires à ce propos. Comme je l'avais évoqué, l'ennemi avait annoncé que le saint prophète Mohammed Bésof à lui était tombé à martyr. Quel était l'état des musulmans quand ils ont entendu cette rumeur à propos du martyr de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam Selon les récits à ce propos, Ibn Kamya a cru avoir tué l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il avait annoncé ceci. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. On dit aussi que c'était Satan qui s'était personnifié en la personne de Joal b'in Suraka qui avait fait cette annonce. Joal était parmi les tout premiers musulmans pieux et il était un des compagnons des Asoufa, Le saint prophète Mohammed b. Soswa lui, l'avait renommé Omar lors de la bataille du fossé. En entendant cela, les compagnons ont sauté sur Joal dans le but de le tuer mais il a plaidé qu'il n'avait fait aucune annonce à cet égard. Khawad bin Jouber Abu Barda a témoigné que lorsqu'on a fait cette annonce, Joal était en train de se battre à ses côtés tout près de lui. Khawad a annoncé qu'il était en train de se battre à ses côtés contre l'ennemi. On rapporte également que ce fut Azabul Akhabah qui avait fait cette annonce à trois reprises. Il avait annoncé à trois reprises que Mohammed est tombé à martyr. En tout cas, différents récits présentent plusieurs individus ayant fait cette annonce. Plusieurs personnes ont probablement vu cette scène et auraient fait cette annonce. Ibn Kamia, Iblis et Azabul Akaba ont pu faire cette annonce. N'importe quel individu de tempérament satanique aurait pu faire cette annonce. Dès que la rumeur s'est répandue, certains musulmans ont déclaré ⁇ Vu que le saint prophète Mohammed sur lui est tombé en martyr, retournez auprès de vos tribus qui vous accorderont la protection. ⁇ D'autres ont déclaré Vu que le saint prophète Mohammed est tombé en martyr, n'allez-vous pas vous battre pour la religion et le message de votre prophète jusqu'à ce que vous tombiez en martyr et soyez présenté à votre Seigneur Thabit bin Dahada a dit aux Ansar Au frère Zansar, si Mohammed est tombé en martyr, Allah, quant à lui, est bien vivant il ne connaîtra pas la mort. Battez-vous pour votre religion, Allah vous accordera le triomphe et le succès. En entendant cela, un groupe d'Ansari s'est apprêté à attaquer en compagnie de Thabit ce groupe de polythéistes parmi lesquels se trouvaient Khalid bin Walid, Ikrama bin Jahal, Amr bin al aas et Dirar bin Kitab. Khalid bin Walid a riposté violemment face à l'attaque de ce petit groupe de musulmans tuant Fah bin ben Da'da et ses compagnons Ansari. Dans son ouvrage, Siratrat Monabiyin Hazrat Mizabashid Ahmad Saba décrit en ces termes la confusion régnant en ces instants. Il déclare que les musulmans étaient divisés en trois groupes lors de cette phase de la bataille. Un groupe était composé de ceux qui avaient fui le champ de bataille en apprenant que le saint prophète Mohammed Bissossa lui avait été tué. Ce groupe était le plus petit de tous. Ce groupe comprenait Othman Ben Cependant, comme l'évoque le Saint Coran, en tenant compte des circonstances particulières de l'époque ainsi que la foi et la sincérité de ses compagnons, Allah l'exalté leur a pardonné cette action de leur part. Certains d'entre eux avaient même atteint Médine, et c'est ainsi que la nouvelle du martyr imaginaire de Saint-Prophète à lui et la défaite de l'armée musulmane est parvenue à Médine. Un état de lamentation a éclaté dans la ville. Les musulmans, hommes et femmes, enfants et vieux, sont sortis tous de la ville dans un état d'accablement intense et ils se sont mis en route vers Uhud. Certains se sont précipités sur le champ de bataille et ont plongé dans les rangs ennemis au nom d'Allah, c'est-à-dire qu'ils se sont battus contre l'ennemi. Le deuxième groupe comprenait ceux qui n'avaient pas fui, mais qui, après avoir entendu la nouvelle du martyr du saint prophète Muhammad Pesos, à lui avaient soit sombré dans le découragement, ou avaient senti qu'il était désormais inutile de se battre. Par conséquent, ils s'étaient déplacés d'un côté du champ de bataille et se sont assis là-bas, la tête baissée. Le troisième groupe comprenait ceux qui ont continué à se battre sans faille. Parmi eux, certains s'étaient rassemblés autour du Saint-Prophète Mohammed lui et il faisait preuve d'une bravoure sans précédent, et la plupart combattaient sur le champ de bataille dispersé ça et là. Ces derniers et ceux du deuxième groupe continuaient à découvrir que le saint prophète Péus lui était vivant, et ils se battaient et se rapprochaient du saint prophète soit lui à l'image de gens possédés de folie. La bataille était telle que l'armée des Coréchites poussait en avant sur les quatre fronts des vagues féroces de l'océan. Une pluie de flèches et de pierres a pleuvé sur le champ de bataille de toutes parts. En voyant ce danger, ses fidèles ont entouré le périmètre du Saint-Prophète Mohammed B.S. à lui et ont caché son corps béni avec le leur. Cependant, malgré cela, chaque fois que la force de l'attaque prenait de l'ampleur, cette poignée de combattants était bousculée ici et là, et parfois le Saint-Prophète était presque seul sur le champ de bataille. C'était en ces instants qu'une pierre jetée par Otba bin Abiwakas, le frère idolâtre de Saad bin Abiwakas, a atteint le visage béni du Saint-Prophète Mohammed, lui cassant une dent et blessant également sa lèvre. Peu de temps après, une autre pierre lancée par Abdullah bin Shirab a blessé le front du Saint prophète Muhammad sallallahu Ensuite, une troisième pierre lancée par Ibn ramia a frappé la joue bénie du saint prophète à lui et a implanté deux anneaux du mirfar ou du casque du saint prophète mohammed lui Saad bin Abi Bawakas était tellement bouillonnant de rage à la suite de l'action de son frère Utbah qu'il affirmait n'avoir jamais ressenti un tel désir de tuer un ennemi que celui qu'il éprouvait envers son frère Utbah le jour de la bataille de en abordant le sujet de la philosophie de l'acceptation de la prière, Adelat Muslim Oud, a expliqué également longuement cet incident de la bataille d'Oud. Dans son discours, il explique que J'ai déclaré que si, en suivant le monothéisme sincèrement, le peuple britannique me demande de prier pour lui, eh bien, il connaîtra la victoire. Ces propos datent de 1940, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Le musulman Aoud Arad de Talanhou ajoute Je soutiens qu'ils obtiendraient la victoire s'ils me demandent de prier pour eux. Cette affirmation est en parfait accord avec les prédictions de Dieu, avec la parole d'Allah et les visions que j'ai eues. Le Messie premier a beaucoup prié pour cette nation, mais ces nations ont placé un homme sur le trône de Dieu. En conséquence, Dieu les soumet à des épreuves. En d'autres termes, ils considèrent Jésus comme le Fils de Dieu, d'où les épreuves qu'ils subissent, et ce en dépit des supplications faites en leur faveur. Ensuite, le musulman Oud a mentionné les pères amis en disant que les pères amis peuvent nier ces faits s'ils le souhaitent. Autrement dit, le point de vue des pères amis différait des explications du musulman Oud Mais il ajoute l'unique élément empêchant l'acceptation des prières du Messie en faveur des Britanniques et leur shirk. Si cette entrave est partiellement ou complètement supprimée, ces prières seront immédiatement acceptées. J'ai vu de nombreux rêves selon lesquels leurs problèmes peuvent disparaître grâce à mes prières, mais cela ne signifie pas que toutes mes supplications seront définitivement acceptées. Si cela était en mon pouvoir, pourquoi n'aurais-je pas repoussé les souffrances qui nous accablent Le Saint-Coran affirme que les mécréants ont demandé au Saint-Prophète Mohammed Si Dieu t'aime autant, pourquoi certaines de tes aspirations ne se concrétisent-elles pas Allah demande au Saint-Prophète Mohammed que ce soit lui de leur répondre dis-leur si cela dépendait de mon autorité j'aurais certainement réuni toutes les bonnes choses pour moi donc si le saint prophète mohammed à lui n'était pas assuré que chacune de ses prières serait exaucée comment pourrait-il en être autrement pour moi le saint prophète mohammed wa wasallam était soumis à la même règle selon laquelle dieu acceptait certaines de ses prières et établissait son honneur par un signe quelconque quand il le souhaitait. Si cela était valable pour lui, pourquoi ne serait-ce pas le cas pour moi ou pour quiconque d'autre Je reconnais que les Anglais ont le pouvoir de nous exécuter ou de nous emprisonner à leur guise, bien qu'ils soient actuellement affaiblis face à l'ennemi. En effet, leur situation était assez critique durant la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, dit le musulmane malgré cela, j'annonce que mes prières peuvent résoudre leurs problèmes, car leur autorité sur nos vies est régie par une loi distincte et l'exaucement de mes prières est soumise à une autre loi à cet égard. Le roi persan avait l'intention de capturer le saint prophète Mohammed bissous à lui. Ce chargé de l'arrestation n'était pas encore arrivé et n'avait qu'envoyé un messager au gouverneur du Yémen. Or, quand le messager est arrivé, le Saint Prophète lui a dit de retourner et de dire à son maître qu'il ne viendra pas. Notre Dieu a tué ton Dieu, a dit le Saint Prophète Muhammad Pesha lui. Allah a inspiré le fils de ce roi à se rebeller et il a tué son père. Cependant, lors de la bataille d'Ouud, les ennemis ont attaqué l'envoyé d'Allah, alayhi wa sallam à coups de pierre, brisant ses dents et le blessant à la tête. Les clous de son casque s'étaient implantés dans sa tête. Inconscient, il est tombé ainsi que d'autres compagnons, et certains d'entre eux ont cru qu'il était tombé à martyr. D'aucuns pourront se demander si Allah accordait un tel honneur au Saint-Prophète Pessoa, lui, au point de tuer pour sa cause le roi de l'Iran, sur une terre lointaine. Pourquoi Dieu a-t-il permis aux mécréants de le lapider de pierre durant la bataille d'Oud? Pareilles objections sont infondées. Ses décisions d'Allah sont basées sur ses intérêts et sa sagesse. Cela relève de ses secrets. Parfois, il prend des mesures sévères pour des actions mineures, et parfois, il accorde des concessions pour des intérêts supérieurs, manifestant ainsi la vulnérabilité et la détresse de l'homme. En tout cas, je poursuis ici les récits sur la bataille de après les rumeurs de sa mort, les compagnons ont vu soudainement le saint prophète Mohammed bénissage Selon les récits, Abu Ubaida était le premier à découvrir que l'envoyé d'Allah bénissage était bel et bien vivant et saint et sauf. Il affirme qu'il l'avait identifié grâce à ses yeux, ses yeux qui étaient lumineux et éclairés, émettant une lueur sous son casque. Il s'agissait d'un casque que les soldats portaient pour protéger leurs yeux et leur visage. Quoi qu'il en soit, Abu Ubaida relate, je percevais la brillance intense de ses yeux et j'ai compris que le Saint-Prophète, Pessoa à lui était en vie. Dans mon excitation, dès que je l'ai reconnu, j'ai crié de toutes mes forces Musulman, bonne nouvelle, l'envoyé d'Allah, soit lui est présent. Sur ce, le Saint-Prophète, Pessoa lui m'a fait signe de me taire. Selon un autre récit, un autre compagnon était le premier à reconnaître l'envoyé d'Allah, Pessoa lui un auteur relate qu'après la chute dans le fossé, le corps entier de l'envoyé d'Allah P. lui, était trempé de son sang béni. Il est sorti de ce fossé et Ka'b bin Malik l'a reconnu en voyant ses yeux derrière son casque et il a éclaté de joie en criant Ya Mashal al-Muslimin, Abshiru Hada Rasulullah, alayhi wa sallam. Aux groupes de musulmans, réjouissez-vous. Voyez le Messager d'Allah, soit Le saint Prophète, Muhammad paix lui, lui a fait signe de se taire. Mais à mesure que l'information se propageait, tous les musulmans se précipitaient vers lui, parmi eux se trouvaient Abu Bakr As-Siddiq, Omar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaydullah, Uzubar bin Alawam, Haritha bin Sima, ainsi que d'autres compagnons. Le Saint-Prophète Mohamed Pesos s'est réfugié avec eux dans une gorge de la montagne d'Ohrud. En chemin face aux attaques ennemies, les compagnons du Saint-Prophète Mohamed Pesos lui, ont fait preuve d'une résistance farouche. Certains livres mentionnent que la situation était devenue délicate et tendue. En raison du revirement de la situation lors de la bataille. Soudain, l'envoyé d'Allah et lui a émergé entre sarad bin et Sarat bin Obada. Nous l'avons reconnu grâce à sa démarche et notre joie était sans borne, disent des compagnons. Il semblait que ni nous n'avions subi de défaite, ni subi de perte. Lorsque tous les musulmans ont vu l'envoyé d'Allah et lui et l'ont reconnu, ils se sont rassemblés autour de lui comme des papillons. Et il les a emmenés tous vers une passe montagneuse. Ab -Bakr, as que Omar, Radi, Zubair, Harith bin Simba étaient avec lui en ces moments-là. Le deuxième calife de la communauté déclare à ce propos Cette attaque des polythéistes était totalement inattendue pour les musulmans. Ils en furent profondément perturbés. Et ils n'ont pas pu faire face à l'ennemi en raison de leur désorganisation. Les mécréants avaient pris le contrôle du champ de bataille et la plupart des compagnons, dans un état de confusion et de panique, avaient fui vers Médine, au point que seuls 12 compagnons étaient demeurés autour du Saint-Prophète Mohammed b. lui. À un moment donné, il n'y avait que trois personnes qui étaient demeurées autour du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. Et les mécréants, quant à eux, ciblaient en particulier le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. avec leurs flèches. Malgré cette situation précaire, il est demeuré ferme face à l'ennemi et il n'a pas bougé de sa position. En fin de compte, l'ennemi a chargé subitement et ces quelques individus ont été repoussés et l'envoyé d'Allah à lui était blessé. Et il est tombé dans un fossé. Certains compagnons qui veillaient sur sa sécurité sont tombés à martyr. Ainsi, pour un court laps de temps, le Saint-Prophète Pessoa soit lui est demeuré hors de la vue de ses compagnons, et la rumeur s'est répandue dans l'armée que le Saint-Prophète Pessoa soit lui était tombé à martyr. Cette nouvelle s'est avérée encore plus préoccupante pour les compagnons, et leur maigre détermination s'est amenuisée. Les compagnons en vie présents autour de l'envoyé d'Allah, lui, à ce moment-là, ont écarté les cadavres et l'ont sorti du fossé et ils se sont mis autour de lui pour assurer sa protection. Le Saint-Prophète Mohammed lui, est sorti du fossé des polythéistes et il s'est dirigé vers le défilé de la montagne avec ses compagnons. Othman bin Abdullah bin Mourira s'est avancé vers lui sur un cheval noir et blanc. Othman bin Abdullah bin Mourira était en armure de la tête jusqu'aux pieds et il se dirigeait vers le col où le saint prophète Mohammed bin lui se rendit. Othman bin Mourira disait, soit lui ou moi en sortira vivant. Le saint prophète Mohammed bin lui entendit sa voix et s'arrêta. À ce moment-là, le cheval d'Othman trébucha dans une des tranchées que les polythéistes avaient creusées. Et Othman tomba dedans, sur ce Harith se jeta sur lui, en quelques instants des coups d'épée furent échangés entre eux, Soudain, Harith bin Sima frappa son pied avec son épée. Othman s'effondra instantanément suite à cette blessure. Harith lui donna le coup de grâce, il prit son armure et son casque. En voyant cela, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, déclara. Loué soit Dieu celui qui l'a détruit. Au même moment, ubaydullah bin Jabir Amri attaqua Harith et le blessa à la tête avec son épée. Les compagnons de Harith l'emmenèrent de là. En même temps, Abu Dajana, avec agilité, attaqua ubaydullah L'ayant tué avec son épée, il revint vers le saint prophète Muhammad Sulallahu Alaihi Selon les récits, Ubay bin Khalf, un chef de la Mecque a tenté d'attaquer l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ubay bin Khalf apparut quand l'envoyé d'Allah et Sasalui se dirigeait vers le défilé. Obay bin Khalf avait versé une rançon pour être libéré comme prisonnier après la bataille de Badr. Il a déclaré qu'il avait un cheval nommé Aoud, qu'il nourrissait quotidiennement d'une farque, soit de 7,5 kg de maïs. En somme, ce cheval était excellent et en excellente santé. Il a déclaré qu'il montrait ce cheval pour tuer Mohamed Sallallahu wa sallam. Lorsque cette intention a été communiquée au saint prophète Mohamed le saint prophète a déclaré non, c'est moi qui va le tuer. Il est rapporté qu'il avait exprimé cette intention avant l'Egypte à la Mecque. En tout cas, lors de la bataille du Houd, le saint prophète Mohamed Peshaw lui a informé ses compagnons qu'il craignait une attaque de la part de Baye bin Khalfa par l'arrière. Et il a instruit ses compagnons de l'informer s'ils le voyaient. Oubaye bin Khalfa s'approchait en faisant caracoler son cheval revêtu d'armure. L'envoyé d'Allah, lui, le remarqua également. Oubaye demanda Où est Mohammed S'il s'échappe aujourd'hui, je ne survivrai pas. Moussa bin Omer est apparu devant lui. Il défendait le Saint-Prophète Mohamed lui. Ubay bin Khalf a tué Moussa bin Oumer. Les compagnons ont informé le Saint-Prophète Mohamed que qu'Oubay venait dans sa direction et que s'il le souhaitait, l'un d'entre eux pourrait le tuer. Selon un autre récit, les compagnons se sont placés devant lui. Le Saint-Prophète lui leur a ordonné, laissez-le et écartez-vous de son chemin. Quand Ubaïb s'est approché, l'envoyé d'Allah a déclaré Ô menteur, où vas-tu Le Saint-Prophète a pris une lance de la main de Haditha bin Sima ou de Zubair bin Al-Awam selon un autre récit. Le Saint-Prophète Mohammed fit un mouvement et ses compagnons s'écartèrent de lui comme les mouches s'écartant des flancs d'un chameau. L'envoyé d'Allah s'approcha d'Ubaïb. Et lui donna un coup de lance au cou ou tout près de l'endroit visible entre le casque et l'armure, ce qui le fit sursauter sur son cheval plusieurs fois. Il se mit à beugler comme un taureau, il eut une légère égratignure sur le cou et son sang s'arrêta, ou l'une de ses côtes se brisa. Il retourna parmi son peuple et déclara Par Dieu, Mohammed, sallallahu alayhi wa m'a tué. Son peuple lui répondit Ton cœur s'est brisé, par Dieu, tu n'as rien. Ce n'est qu'une égratignure. Si quelqu'un parmi nous avait reçu une blessure aussi légère à l'œil, cela n'aurait été rien pour lui. Il répondit en disant Par Allah et Ouzah, si les tribus dhul-Majaz, Rabia et Modara, avaient reçu une telle blessure, elles auraient toutes péri. À La Mecque, il, c'est-à-dire le saint prophète, soit sur lui, m'avait dit qu'il me tuerait. Par Dieu, s'il m'avait craché dessus, je serais mort. C'est-à-dire, si le saint prophète puisque soit lui avait craché sur lui, il serait mort. Quand les polythéistes retournaient à la Mecque, Ubaye est mort à Sarif. Sarif est une grande vallée connue aujourd'hui sous le nom de Nouaria. C'était la septième station lors du pèlerinage d'adieu du saint prophète Mohammed lui. Il s'agit d'un lieu situé à Tanim, à environ 9 ou 10 000 de la Mecque. Hazalat Mizabashir Ahmad Sab relate quand les Korachites ont reculé partiellement les musulmans présents sur le champ de bataille se sont rassemblés autour du saint prophète Muhammad Pesos, lui dès qu'ils l'ont aperçu. Accompagné de ce groupe de compagnons, le saint prophète Muhammad Pesos a lui entamé lentement l'ascension du sommet de la montagne pour atteindre un col sécurisé. En cours de route au bin Khalfa, un des chefs de la Mecque a remarqué la présence du Saint-Prophète Mohammed. Aveuglé par son hostilité et sa malveillance, il s'est précipité vers le Saint-Prophète Mohammed en criant ces paroles Si Mohammed s'échappe vivant aujourd'hui, je ne survivrai pas. Bien que les compagnons avaient tenté de le retenir, le Saint-Prophète a déclaré Laissez-le, Laissez-le, le venir à moi. Lorsque Ubay s'est approché du saint prophète -so -so lui dans l'intention de l'attaquer, le saint prophète -so -so lui a pris une lance et lui a asséné un coup unique, le faisant pivoter et chuter sur le sol. Ensuite, en se relevant, il retourna en courant et en hurlant. Bien que la blessure n'était pas grave, il a été enterré avant d'atteindre La Mecque. Le Saint-Prophète Mohammed atteignit le col de la montagne avec ses compagnons. Ibn Isaac relate à ce propos. Après l'annonce du martyr du Saint-Prophète Mohammed et la dispersion de certains, Kab bin Malik était le premier à voir l'envoyé d'Allah. Il rapporte, quand j'ai vu les yeux brillants du Saint-Prophète Mohammed à travers son casque, j'ai crié à haute voix, « Ô musulmans, réjouissez-vous, voici le messager d'Allah. En entendant cela, l'envoyé d'Allah, pésois-lui, lui a fait un signe de la main pour lui demander de se taire. Quand les musulmans ont reconnu l'envoyé d'Allah, pésois-lui, ils se sont dirigés avec lui vers le défilé. En sa compagnie se trouvaient Bakr As-Siddiq, Omar Ali, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Al-Awam, Harith bin Sima, ainsi que d'autres compagnons. Quand le Saint prophète Pessoa à -so -so, lui et ses compagnons se trouvaient sur la colline, un groupe de Korachites a atteint le sommet de la colline soudainement. Khalid bin Walid était également présent dans ce groupe. En voyant l'ennemi en haut de la montagne, le Saint Prophète -so -so, lui a prié en ces termes. Oh Allah, ne leur permet pas d'être victorieux sur nous aujourd'hui. Oh Allah! Nous n'avons pas de force ni de pouvoir sauf à travers toi. En ces instants-là, Omar Farouk, accompagné d'un groupe de Mourajdin, a confronté ses ennemis et ils les ont obligés à redescendre de la montagne. Voici le récit du Sirat Rat à ce propos. Quand le saint prophète Mohammed P.S. Atteignit le défilé, un contingent de Korachites dirigé par Khalid bin Walid tenta de gravir la montagne pour lancer une attaque. Cependant, sur l'ordre du Saint-Prophète, Mohammed, lui Omar les affronta avec quelques Mouhajirines et les chassa. Selon un récit de cet événement de la bataille, Zoubel rapporte que, jour de la bataille hood l'envoyé d'Allah, lui portait deux côtes de mailles. Il tenta d'escalader la montagne, mais se sentait affaibli en raison du poids de son armure. Et en raison des blessures qu'il avait reçues à la tête et au visage et qui saignaient abondamment. Étant incapable de grimper, Talha s'assit et l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, posa son pied sur lui pour monter sur la montagne. Zubel relate, en ces instants, j'ai entendu l'envoyé de Allah puissant sur lui dire que Talha méritait le paradis. Selon un autre récit, l'envoyé de l'Abbé, ce seul lui, avait l'intention de monter sur la montagne qui était sur la gorge, mais lorsqu'il a commencé à monter, le sang a commencé à couler de ses blessures bénies de la tête, affaiblissant sa force. D'ailleurs, il était alourdi par le poids de deux côtes de mailles qu'il portait. En voyant cela, Talha bin Ubaidullah s'est rapidement assis devant l'envoyé d'Allah, lui, et l'a porté sur la montagne en le plaçant sur ses épaules. En cette occasion, l'envoyé d'Allah, lui, a déclaré que le paradis était assuré pour Talha en raison de cette action vertueuse de sa part. Comme n'est précédemment, une dent bénie du Saint-Prophète, P.S.A. lui, a également été perdue lors de cette bataille. Abu Aradutranou a brossé un tableau de ces événements. À ce sujet, Aisha de déclare que lorsque Abu Bakr de relatait l'incident du jour de Houd, il disait que le jour appartenait à Talha. Racontant les détails, Abu Bakr disait Je faisais partie de ceux qui sont retournés vers le Saint-Prophète Mohammed le jour de la bataille de Houd. Quand je suis revenu, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui protégeait le Saint-Prophète Mohammed et combattait à ses côtés. Le narrateur relate que je crois qu'Aboubakra de Talanhu avait déclaré qu'il protégeait le saint prophète Mohammed Pussos à ajoute ⁇ Je me suis dit, je souhaite que cette personne soit Talha. J'ai raté l'occasion, mais au fond de moi, je souhaitais que cette personne appartienne à ma tribu, car cela me plairait davantage. ⁇ Voilà ce que pensait Bakr en ces instants. Il ajoute ⁇ il y avait une personne entre moi et l'envoyé de lui, une personne que je ne pouvais reconnaître, même si j'étais plus proche de cet individu que le Saint-Prophète. Il marchait si vite que je ne pouvais pas le suivre. Et quand j'ai observé de près, j'ai constaté que c'était Abu Ubaida bin Al-Jarrah. Ainsi donc, il y avait deux individus avec le Saint-Prophète Mohammed, Talha et Ubaidullah bin Al-Jarrah. Abu relate. J'ai atteint le Saint-Prophète Mohammed Ses incisives latérales ont été cassées et son visage a été blessé. Les anneaux du casque s'étaient logés dans sa joue. Il nous a demandé d'aller voir notre compagnon, c'est-à-dire Talha, car il avait perdu beaucoup de sang. Talha était grièvement blessé en protégeant le Saint-Prophète Mohammed Au lieu de leur demander de penser ses blessures, le Saint-Prophète Mohammed lui leur ordonna de s'occuper de Talha. Abu Bakr déclare, nous avons laissé Talha, et je me suis avancé pour retirer les chaînes du casque de la joue du Saint-Prophète Mohammed P.S.A.A. Sur ce, Abu Ubaïda a déclaré, je jure par le droit que j'ai sur vous, s'il vous plaît, laissez-moi cette tâche. Abu Bakr déclare, j'ai donc laissé à abou Ubaïda cette tâche. Abu Ubaïda qui souhaitait retirer les anneaux. Abu Ubaïda ne souhaitait pas retirer les anneaux avec sa main de peur de faire souffrir l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wasalam. Il a tenté d'arracher les anneaux avec ses dents. Lorsqu'il a retiré un anneau, sa dent de devant s'est également cassée. Abu Bakr a déclare, j'ai fait un pas en avant pour retirer le deuxième anneau. Pour le retirer de la même manière, Abu Bakr a déclaré ⁇ Je tenterai de retirer l'autre anneau ⁇ Mais Abu Ubaïda a répété ⁇ Je jure par le droit que j'ai sur vous, veuillez me laisser cette tâche. C'est-à-dire qu'il souhaitait retirer lui-même le deuxième anneau. Abu Bakr s'est écarté et Abu Ubaïda a répété son action. Et quand il a retiré le deuxième anneau, l'autre incisive d'Abu Ubaïda s'est cassée. Abu Ubaida était le plus beau de tous ceux dont les deux dents de devant étaient cassées, disait Abbak Radutalal. Après avoir soigné les blessures du Saint-Prophète Mohammed, nous sommes partis voir Talra. Il était assis dans un fossé et nous avons constaté qu'il avait reçu environ 70 blessures par épée, par lance et par flèche et qu'un de ses doigts a été sectionné. Et nous avons soigné ses blessures. En sus de la mention d'Abu Obeida, il existe également des narrations évoquant Okbab et Nouhab et Abu Bakr affirmant qu'ils ont également retiré ses maillons. Mais la première narration est plus authentique. Abu Saïd Khoudri relate que... Lorsqu'on a retiré les deux maillons du visage béni du Saint-Prophète Mohammed, le sang s'écoulait comme de l'eau d'une outre. Malik bin Sinan a commencé à aspirer le sang avec sa bouche. Le Saint-Prophète Mohammed, lui, lui a demandé Bois-tu le sang Il a répondu Oui. L'envoyé d'Allah, lui a déclaré Le feu de l'enfer ne touchera pas celui dont le sang se mêle au mien. Ce récit se trouve dans l'ouvrage « Sobulul Huda wa Rashad ». Cependant, il semble que ce récit nécessite un examen attentif, car d'autres récits sont en contradiction avec celui-ci. En tout cas, Allah sait le mieux où se situe la vérité, car cette méthode pourra entraîner davantage de saignements et une faiblesse accrue. Néanmoins, des réponses supplémentaires sont fournies dans les récits qui suivent. Il semble que cette narration ne soit peut-être pas aussi fiable. Le recueil d'Al-Bukhari relate ceci à propos de la blessure subie par le saint prophète Muhammad à lui au cours de la bataille de On a questionné sahab bin Saad à propos de la blessure du saint prophète Muhammad à lui Il a répondu :« Vous m'interrogez à ce propos par là. Je sais très bien qui était en train de laver la blessure du saint prophète Muhammad à lui, c'est-à-dire qu'il pouvait encore voir la scène tout entière. Je sais qui était en train de verser de l'eau dessus et quels étaient les médicaments qu'on utilisait. Sarah ajoute, Fatima, la fille du saint prophète sur lui était en train de laver ses blessures. Ali fournissait de l'eau avec son bouclier. Quand Fatima constatait que l'eau accentuait le saignement, elle a pris un morceau de tapis et l'a brûlé pour la poser sur la blessure du saint prophète Mohammed sur lui le sément a cessé. Par ailleurs, ce jour-là, la dent avant du Saint-Prophète Pessoa lui, s'était aussi brisée. Il était blessé au visage et son casque s'était brisé sur sa tête. On trouve mention ici des efforts entrepris pour arrêter le sément et le lavage de la plaie. Il n'y a pas mention ici du fait qu'on avait aspiré son sang. Ce récit d'Al-Bukhari est authentique. Quand le Saint-Prophète Mohammed est arrivé dans le ravin lors de la bataille de Roud, Ali bin Abi Alib a rempli son bouclier avec de l'eau du Miraf. Miraf était ces petits et ces grands trous qui recueillaient le sang de la pluie sur le mont O'Roud. Ceci est la définition du mot Miraf. C'est l'endroit près duquel Hamza a été tué. Ali avait apporté cette eau afin que le Saint-Prophète puisse en boire. Cependant, en raison de l'odeur désagréable, il a choisi de ne pas en boire et il s'en est lavé le visage et en a placé sur la tête en déclarant Quiconque blesse le visage de son prophète subira la colère sévère d'Allah. Mohamed bin Maslama est parti demander de l'eau aux femmes, elles n'en possédaient pas. Le Saint-Prophète, Pessoa sur lui avait une soif intense. Mohamed bin Maslama s'est rendu auprès d'une source et en a apporté de l'eau douce. Le Saint-Prophète, Pessoa sur lui en a bu. Et il a fait une prière en faveur de Mohammad bin Maslama. Selon Tabrani, Sahal bin Saad rapporte que le jour de la bataille de Houd, le visage du Saint-Prophète Mohammad bin lui a été blessé et ses dents bénies ont été brisées. Son casque a été brisé sur sa tête. Lorsque les polythéistes se sont retirés, les femmes sont venues vers les compagnons du Saint-Prophète Mohammad bin lui. Fatima était présente parmi elles. Quand elles ont rencontré le Saint-Prophète, elles l'ont embrassé et elles ont commencé à laver ses blessures. Rali versait de l'eau grâce à son bouclier. Le sang coulait à flot. Fatima a brûlé une partie d'un tapis pour en préparer de la cendre qu'elle a placée sur la blessure. Elle s'est mélangée avec la plaie et le sang s'est arrêté de couler. Le visage béni du Saint-Prophète Mohammed s'est saignait à lui, flou. Il essuyait son propre sang et il disait. Comment un peuple pourra-t-il prospérer quand il a blessé son prophète et a brisé son incisive, tandis que ce prophète les invite vers Allah Comment ce peuple pourra-t-il prospérer quand il a blessé son prophète et a brisé son incisive, tandis qu'il les invite vers Allah Inch'Allah, je présenterai le reste de ces récits à l'avenir. Je vous demande de prier pour la Palestine. Désormais, la situation des pays musulmans est telle que, au lieu de s'unir pour sauver la Palestine, les musulmans ont commencé à se battre entre eux. On entend maintenant parler de tensions entre le Pakistan et l'Iran. Ils se sont même attaqués mutuellement. Cette situation dangereuse est en train de se développer. Qu'Allah accorde sagesse et compréhension aux dirigeants de ces pays musulmans. Prions également pour qu'Allah leur accorde la capacité de comprendre leur véritable objectif et d'être une seule nation, une seule Ummah. Après la prière de Jummah, je dirigerai deux prières funéraires en absence des dépouilles. Le premier défunt que j'évoquerai est feu Sayyid Maulud Ahmad Saheb, fils de feu Sayyid Dawood Mazhar Shah Saheb. Il est décédé récemment à l'âge de 77 ans. wa Il était le petit-fils maternel de Hazrat Muslemaud Aradutlanhu et de Sayyidah Ometahera Sahiba. Et le fils de Saïd Zadi Abdul Hakim Saïba et de Saïd Daoud Mazar Shah Sahib. Par la grâce d'Allah, il était Moussi. Il était également mon cousin maternel et le frère aîné de mon épouse. Saïd Mahmoud Shah Saheb, le fils de Saïd Abdus Satar Shah Saheb, était le grand-père du défunt. Hazrat Dr Sayyid Abdus Satar Shah Saheb était une personne d'une grande piété et d'une grande pureté. Il possédait une grande modestie, une grande humilité et il était très engagé dans le respect des droits d'Allah et des droits d'autrui. Hazrat Mizabashir Ahmad sahib a également rapporté un incident à propos du docteur Abdus Satar Shah Saheb. Hazrat Mizabashir Ahmad sahib a relaté que Abdus Satar Shah lui-même lui avait raconté cet incident. Une fois, le premier calife était tombé gravement malade et c'était à l'époque où il résidait dans la maison du Messie Premier Islam. Le Messie Premier d'Aslam avait offert des chèvres en aumône. Docteur Sab a déclaré qu'il était également présent là-bas. Il passait la nuit auprès du premier calife et lui donnait ses médicaments. Le matin, lorsque le Messie Premier d'Aslam est passé pour sa visite, le premier calife a déclaré Votre Sainteté, le médecin, est demeuré éveillé toute la nuit à mes côtés. Et il m'a donné des médicaments et il s'est occupé de moi. Le Messie Premier des en était très satisfait et il a déclaré Nous l'envions également. Cette famille est destinée au paradis. Le Messie Premier des a répété ces mots à plusieurs reprises. Il a dit cela à maintes reprises à propos du docteur abdussattah Shah Sahib. Said Mauloud Shah Saheb, le défunt, a poursuivi ses études à il a obtenu son certificat d'études secondaires et son diplôme d'études intermédiaires. Ensuite, il s'est inscrit au Lahore Engineering College où il a obtenu un diplôme en génie mécanique. Il a travaillé dans différentes entreprises au Pakistan. Il a également travaillé en tant qu'ingénieur dans une entreprise au Nigeria. Par la grâce d'Allah, il a mené une vie prospère le troisième calife qu'Allah soit content de lui avoir prononcé son Nikah. Dans son sermon, le troisième calife a déclaré que la relation dans un mariage est comme une greffe d'arbre, une greffe qui doit être soigneusement entretenue dès le début. Parfois, je cite ces anciens sermons, Donika, car les gens demandent comment ils peuvent entretenir correctement leurs relations au sein de leur mariage. Ce sont des conseils que nous devons toujours garder à l'esprit. Ces conseils sont brefs, c'est pourquoi parfois je mentionne les conseils des précédents califes dans mes sermons. En tout cas, le troisième calife disait que ces relations doivent être soigneusement entretenues dès le début. Selon le Saint-Coran, cette greffe doit être maintenue avec la corde du Kaoulé -e Sadid, c'est-à-dire de cette parole franche et sans ambiguïté. Elle doit être attachée avec cette corde de la vérité absolue et c'est ainsi que cette relation pourra être protégée. Cette responsabilité ne repose pas uniquement sur le mari et la femme, mais aussi sur leur famille, sur leur environnement. Et sur leurs amis, sinon, de nombreuses habitudes vont se développer suite à des pensées négatives, à des commérages et à l'impatience et à la colère. La vérité franche est une corde très solide qui empêche cela. Le troisième calife a déclaré que Dieu fasse que ce mariage que j'apprête à annoncer soit source de bénédiction pour les deux familles, pour la communauté et pour l'humanité, qu'elle la protège, la progéniture et qu'ils puissent devenir des serviteurs de la foi. Il a ensuite ajouté que l'union a été scellée entre Saïd Maudud Shah, le fils de ma jeune sœur Amtoul Hakim et de Saïd Daoud Moussa Shah et Lubna Shahbaz, la fille du docteur Said Rullah Mouchtaba. Il a déclaré à propos du docteur Saïd Mouchtaba qu'il est parmi les premiers médecins qui ont servi en tant que Wokfezin de Guy en Afrique de l'Ouest. Allah a mis la guérison entre ses mains et a servi en tant que chirurgien accompli. D'abord au Ghana, ensuite il a été envoyé au Nigeria pendant un certain temps où il a également servi temporairement. Ensuite il a souffert de complications cardiaques et cela l'a obligé à rentrer au Pakistan. Le troisième calife a prié pour lui en disant que Dieu le Très-Haut lui accorde la santé qu'il puisse retourner en Afrique. Allah a accepté cette prière et il est retourné en Afrique où il a servi pendant longtemps. Ensuite, le troisième calife a prié que Dieu le Très Haut permette à Said Mahmoud Ahmad de servir la foi. Le défunt offrait tous les services volontaires qu'il pouvait. Said Saoud Ahmad, le fils du défunt, relate ceci mon père a toujours été assidu dans l'accomplissement des prières. Il récitait le Saint Coran après la prière d'Al-Fajr. Il était aussi assidu dans la prière de Tahajjud. Moi-même, j'en suis au courant. Il récitait très bien le Saint-Coran avec une voix très mélodieuse. Son fils ajoute ⁇ Avant de dormir, il nous relatait des histoires et des incidents liés aux anciens. Il était régulier dans ses contributions financières et nous enjoignait également d'être assidus dans nos contributions financières. Et lorsqu'il nous donnait de l'argent de poche, il nous demandait d'abord d'offrir nos contributions financières. Si nous recevions de l'argent en cadeau, à l'occasion de la RID, il nous conseille également d'offrir des contributions financières. Il avait créé un dossier séparé pour chacun d'entre nous. Et lorsqu'il a fait adhérer ses enfants à l'institution d'Al-Wasiya, il a également tenu en compte dans des dossiers et il s'est assuré lui-même que toutes les contributions financières étaient réglées. Outre le jeûne du ramadan, il jeûnait également au cours du mois de Shawwal. Il récitait le Saint-Coran deux fois dans son intégralité au cours du ramadan et tentait de terminer une troisième lecture au cours du ramadan. Il était intègre, il était transparent, il était direct, il était très amical. Qu'il connaisse une personne depuis longtemps ou pas, il maintenait de bonnes relations avec autrui et il trouvait une excuse pour s'informer du bien-être des autres. Il traitait tout le monde avec gentillesse, qu'il soit plus âgé ou plus jeune. Il ne nourrissait jamais de la rancune envers quiconque et ne nourrissait aucun préjugé. Peu importe la malveillance d'autrui, il démontrait toujours de bonnes manières en réponse. Si quelqu'un était très malveillant, il allait lui-même vers cette personne pour combler l'écart. C'est un point que non seulement son fils, mais les autres aussi ont évoqué. Moi-même, j'ai été témoin qu'il possédait ces qualités excellentes. J'ai vu cela et beaucoup de ceux qui le connaissaient et qui ont présenté leur condoléances ont également écrit qu'il possédait ces qualités. Son fils a relaté un autre incident en disant qu'une fois Hazrat Muslim Maud était parti à l'étranger et lui avait ramené un jouet en cadeau. Le défunt a ouvert le cadeau et l'a mis en pièce. Hazrat Muslim Maud lui a dit. Je t'ai apporté un cadeau et toi, tu l'as cassé en mille morceaux. En réponse, le défunt a dit que je vais le réparer tout de suite et il a effectivement réparé le jouet devant le Maoud. Et Radarat Maoud a dit à sa mère qu'il devrait faire de lui un ingénieur. Et les paroles du Maoud se sont réalisées. Il est ensuite devenu ingénieur et il était un excellent ingénieur en plus. Il y a un conseil très utile du musulmanaoud Radotalanho, un conseil utile pour tout le monde que je vais vous présenter. Une fois le Muslimoode Rana Dostaranov visitait sa ferme dans le Sindh. Le défunt était également présent à l'époque. Il était avec son père, d entourage du Aoud, le Muslimoode qui visitait ses terres. Peut-être qu'à cette époque c'était la saison des mangues et il y avait des fruits là-bas. Les entrepreneurs des vergers avaient cueilli les mangues et ils en avaient fait une pile. On leur vendait les récoltes du verger et de cette manière les fruits leur appartenaient. Certaines pièces sont prélevées par le propriétaire. Néanmoins, l'entrepreneur avait cueilli les fruits et il en avait fait une pile. À l'époque, Saïd Maouloud était encore un enfant et il avait pris une mangue de ce tas de mangues. Hadrat Muslim lui a dit « Va remettre là-bas cette mangue, elle ne t'appartient plus. Elle appartient à cette personne, à l'entrepreneur. » C'était la, la manière dont le musulman assurait la formation morale des autres. Il aurait pu dire que la manque sera prélevée sur la part qu'ils allaient recevoir et qu'il n'y a pas de problème à ce sujet, mais c'est ainsi qu'il a éduqué son petit-fils. Aziza Maria, la fille de Said Mauloud Shah Saheb, relate « Notre père récitait fréquemment le Saint-Coran et il lisait les ouvrages du recueil Rouhani-Razaïn et les Balfousades ». Je sais également qu'il lisait le Tafsir de Kabil et qu'il possédait une bonne connaissance à ce sujet. Il n'étalait pas sa connaissance parmi les autres, mais si quelqu'un lui posait une question ou soulevait un problème, il présentait de très bonnes réponses et des références. D'autres m'ont également écrit à ce propos. Que nous ayons posé une question religieuse ou séculière, dit sa fille, il fournissait une très bonne réponse. Il inculquait toujours en nous l'habitude de prier. Et il disait, il suffit de prier et de laisser le reste entre les mains d'Allah. Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il lui fasse miséricorde, qu'il protège sa femme et ses enfants et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. Son frère, Seyed Saheb, m'a également écrit qu'une de ses grandes qualités était qu'il était toujours le premier à participer à une célébration ou à un moment de chagrin, il félicitait lors d'un moment de bonheur où il était le premier à rendre visite à quelqu'un s'il tombait malade. Hanif Mahmoud Saeb, un missionnaire, écrit à son sujet. J'ai connu le défunt à Islamabad. Il était très simple. Il était également habillé. Il était calme. Il avait une disposition sainte et angélique. Il avait un grand respect pour les et Zindagi et pour les missionnaires en particulier. Lorsqu'il se rendait à Rabwa, il avait de bonnes relations avec moi. Et il me cherchait souvent dans la mosquée pour me rencontrer. Chaque fois que nous lui demandions de faire des prières pour nous, il nous en demandait les nouvelles par la suite sur l'issue de l'affaire. Que Dieu permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres, comme je l'ai dit. La deuxième prière funéraire sera celle du respecté Igmid Ag Mohammed Saheb. Il était le président de la Jemad de Mehdiabad dans la région de Douri au Burkina Faso. Il est décédé quelques jours de cela à l'âge de 65 ans. Le défunt laisse derrière lui deux veuves, dix fils et cinq filles. Le missionnaire en charge du Burkina Faso écrit ceci Le défunt était très fort et en bonne santé. Il ajoute récemment Je me suis rendu à Doré pour rendre visite aux familles des martyrs. Le défunt a installé lui-même les familles dans leur nouvelle maison. La Jamat a construit de nouvelles maisons pour les familles des martyrs et il les aidait à s'installer. Deux jours après, il est rentré chez lui et il a perdu connaissance et il a fait une grave crise cardiaque et il est décédé. Le défunt avait accepté l'Ahmadiyya en 1999. Et après être devenu Ahmadi, il avait déménagé à Mahdiabad pour vivre avec Al-Hajj Ibrahim Bidiga Sahib. Il accompagnait Al-Hajj Ibrahim Bidiga Sahib pour prêcher dans les villages avoisinants. Grâce à la prédication, il a établi de nouvelles jamaat locales. Il était employé par l'État, travaillant comme garde forestier pour le ministère des eaux et des forêts. Il avait perdu son travail en raison du terrorisme qui sévissait là-bas. Lors des récoltes, il séparait sa portion de la récolte dédiée à la zakat, des restes des récoltes des membres. Il effectuait les calculs pour la zakat, soumettait ses contributions au secrétaire des finances et prenait ses reçus. Il a servi comme président de la Jamaat de Mahdiabad pendant cinq ans. Il était doux et il avait un tempérament calme. Il ne se mettait jamais en colère. Lorsque les terroristes ont attaqué les Ahmadis à Mahdiabad le 11 janvier 2023, il était déjà rentré chez lui après avoir accompli la période de Mahdiabad. Suite à cet incident, il y avait une grande peur parmi les membres de la Jamaat et en raison des martyrs, les membres étaient très bouleversés. Il a rassuré et consolé les membres. Et je lui ai demandé de déplacer les Ahmadis de Mehdiabad à Dori. Il a travaillé avec une grande diligence pour accomplir ce travail. Il a encouragé les membres et il les a rassurés. Il a pris les dispositions pour que tous les membres soient déplacés à Dori sous sa supervision. Et jusqu'à son décès, il s'est occupé des besoins de toutes les familles des martyrs. Rana Faroukseb, un missionnaire à Dori, relate ceci. Chaque jour après la prière d'Al-Fajr, le défunt se présentait à toutes les familles des mortières pour leur présenter ses salutations et il s'enquérait de leur bien-être. Si jamais quelqu'un avait un problème, il tentait de le résoudre. Il y a environ 800 membres qui sont réfugiés, qui sont issus de diverses diamates locales et qui sont présents à Dori. Il prenait soin de tous les membres et il était toujours prêt à les servir. Il était très assidu dans l'accomplissement des prières, il offrait toujours sa pleine coopération à la Jamaat et encourageait les autres à en faire de même. Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il lui fasse miséricorde et qu'il accorde aussi patience et force à ses enfants et à la famille endeuillée et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر المدل والإحصان وإيطاء ذي القرآن وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لكم تذكروا اذكروا الله يذكركم هو يستجيب لكم